each day we throw away a lot of coffee, and this coffee to be produced needs a lot of energy from the cultivation to the transportation to Europe, and it's just a pity not to use it. Dedans, il y a de la paille de marc de café qu'on pasteurisait pendant la nuit. On a rajouté de l'eau. Et ce matin, on a rajouté la semence du pleurote, donc le mycélium, pour qu'il puisse se développer dans cet environnement de paille et de café. Voilà. Et quel intérêt de faire ça avec du marc de café ? Alors, il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, évidemment, c'est que c'est un substrat idéal pour la culture de pleurote, qui est le champignon qu'on cultive ici. Mais c'est aussi un déchet qui a l'air de rien, mais qui représente 15 000 tonnes par an, uniquement à Bruxelles, qui est ultra acide et qui a plein de vocations, comme celle de devenir un substrat pour d'autres activités. Now we have to be able to produce, to transform these organic waste streams, and that's why we need to make the next step, and that is becoming a bigger scale producing to lower the price per square meter.